Ils sont tous là avec leurs blousons de cuir, leurs lunettes et leurs bottes de moto. La place Cardinal Mercier est ce mercredi le lieu de ralliement des passionnés du deux roues. C'est tous des amis motards qui sont réunis et ici aujourd'hui c'est une journée spéciale. Avec ses amis, Alphonse Boulens vient chaque année. Il ne manquerait pour rien au monde cette journée un peu spéciale, celle du baptême des motos et des motards. Elle commence par une messe. Toute particulière. C'est la messe pour la bénédiction des motos organisée par notre padre Dirk, qui fait ça chaque année. Et voilà, les motards viennent faire bénir leurs motos pour se protéger sur les routes. L'église Saint-Pierre de Jette est pleine à craquer. Les yeux rivés vers le padre Dirk, des centaines de motards venus de tout le pays et même au-delà. À 11h tapante, la foule envahit le parvis. Au bénite et goupillon au point, le padre commence sa tournée. Je fais un truc avec le goupillon, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. On fait aussi la bénédiction des motards et des motos pour que sa vie se continue, se passe bien. Et surtout, qu'on essaie de vivre ensemble, soit que notre culture, notre langue, notre foi, mais être là. Moi, à la base, je ne suis pas catholique, mais je préfère faire bénir ma moto, voilà. C'est une tradition. C'est peut-être, je pense même peut-être plus qu'on vient ici pour le baptême, c'est surtout pour rencontrer tout le monde. Surtout ça. La bénédiction prononcée, les voilà prêts à démarrer. La moto a été baptisée ? Oui, oui, on est content. Voilà. Ça vous fait quoi ? Ça fait qu'on va prendre la route et on sera protégé. Voilà.